us all over the world. Here we are in the Women's Ministries. This is another moment at the prayer session where the sick people and those with various afflictions and infirmities have come in need of breakthrough, healing, deliverance from our Lord Jesus Christ. Wherever you are, the anointing of our Lord Jesus Christ is not limited by space or time. Only believe and you will see the glory of our Lord Jesus Christ. Only put a demand on the anointing and you will receive your healing, your deliverance, your breakthrough in Jesus Christ's name. Chers spectateurs, nous sommes ici à Holy Mountain Ministry. C'est le moment de la ligne de prière. Peu importe où vous vous trouvez, la distance ne peut pas varier. Vous avez juste besoin d'une chose, de la foi, car c'est la foi qui vous connecte à Dieu. C'est un moment de guérison, un moment de délivrance. Vous avez juste besoin de demander une chose pour que l'onction de guérison, l'onction de délivrance, l'onction de restauration vous trouve partout où vous êtes. So as you stand on the prayer line, just continue to meditate in your heart. Begin to cover your spirit, soul, and body with the blood of Jesus. Begin to ask the Lord Jesus Christ to give more of you and take more of you in Jesus Christ's name. Si vous êtes à la ligne de prière, c'est le moment pour vous de méditer, de vous confier à Dieu, de parler à Dieu de ce problème, de cette situation que vous traversez, parce qu'il est là, il est le guérisseur générationnel. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez besoin de lui, et il est là pour vous accorder la solution dont vous avez besoin. Cher peuple de Dieu, continuez à être connecté, ne soyez pas distrait. Confiez-vous à Dieu, parlez de cette situation que vous traversez à Dieu, car il est là pour vous visiter dans cette situation. Wherever you are all over the world, viewers all over the world, believing is our connection to our Lord Jesus Christ. Never the sickness Jesus cannot heal, never the disease Jesus cannot cure. Wherever you are, only believe and you will receive your deliverance, your healing, your breakthrough, your salvation and all of God's blessings in Jesus Christ's name. As the anointed servant of God, any moment from now comes, believe that the touch that you will receive is not a touch from man. It is an anointed touch of our Lord Jesus Christ. For Jesus has no hands to do his will but our hands. He has no legs to do his will but our legs. So right now, connect wherever you are. Connect to the grace in the Holy Ghost Ministries. Wherever you are all over the world, you are welcome to the prayer session in Jesus Christ's name. Chers téléspectateurs du monde entier, souvenez-vous que votre la foi et votre connexion avec Jésus, il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut guérir, il n'y a aucune situation que Jésus ne peut résoudre. Souvenez-vous, il est le guérisseur générationnel, comme nous apprêtons à recevoir un homme de Dieu loin, juste un toucher, croyez que vous serez visité dans cette situation. Peu importe où vous trouvez, sachez que la distance n'est pas une barrière. Restez connectés et dans la même occasion que ce peuple placé pour dans le besoin de la guérison du toucher du Christ, parce que croyez que partout où vous trouvez, vous êtes également candidat à cette guérison, candidat à cette délivrance, candidat à cette restauration. Ce n'est pas une barrière, restez connectés. Searching is doing my drugs. Anytime I hold my Bible to read, I feel and cry. I start to shed tears. I don't know what is wrong. Yes, our brother is here. He says he's causing a lot of spiritual attacks. Whenever he holds his Bible to read, he begins to have tears running down his eyes. He needs the help of our Lord Jesus Christ to put an end to this affliction. My name is Ayok Elna. I'm here because I was in the hospital some months back due to severe pains from the left chest, and I was diagnosed with gastritis. And do you believe that our Lord Jesus Christ, as the anointed servant of God, comes to pray for you right now? With that anointed touch, you will receive an end to that severe pain. Do you believe that Jesus is going to put an end to the severe pain? Yes, I believe. Hallelujah. Mm-hmm. As you believe, so shall you receive in Jesus Christ's name. My name is Paul Rupert. I'm coming from Burundi. There is an issue that transfers between you and a friend. This can have limited many things in your life. It's an issue between you and your friend. Something transfers. Je vois un problème entre vous et vos amis. This friend is no more with you. Your
us. Ses amis ne sont plus avec vous. But they know us. These were friends in the past. Ce sont vos amis du passé. Not more friends now. We call them more together now, but something happened. Nous ne sommes plus vos amis maintenant. Quelque chose s'est passé et nous n'êtes pas ensemble. There's some spirit that are fighting you. Do what happened. Il y a des esprits qui vous combattent à cause de ce qui s'est passé. I actually have friends and have another friend. We are not really good friends right now. This is what happened long ago. Somehow we kind of sort out issues, but we are not still friends like we used to be. No, see, this friend I'm checking, which is not really here in this nation. Yeah, it's not in Cameroon. We are in South Africa together, but it's not in the US. Yes, yes. Something happened. But don't worry. When you live here today, when the word comes, it breaks the power. That power of that bomb. That power is broken. Satan was passing through all the good things for his friend to hinder your destiny because of what happened in the past. So God has broken it. God bless you. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Par où tu viens aujourd'hui, sachez que cette situation est revenue parce que lorsque Dieu déclare sa parole, il y en avait qu'une puissance. Et cette puissance est là pour vous délivrer de cette situation. Merci, Jésus. We continue to connect and believe in the power working power of our Lord Jesus Christ in the Romans Ministries as deliverance continues here in the prayer line session. Merci, Jésus. Whether you are believing in our connection to Jesus, only believe and place your faith on this anointing and you receive your deliverance in Jesus Christ's name. Look at me. Regarde-moi. As you look at my eyes, you receive your deliverance. Quand vous regardez mes yeux, vous recevez votre délivrance. Yes, I disconnect you. I disconnect you. Je te déconnecte. Be careful with social media. Faites attention avec les réseaux sociaux. Be careful with social media. Faites attention avec les réseaux sociaux. Oh, my God. There's something you saw. Just look my eyes straight. There's something you saw in social media. Il y a quelque chose que vous avez vu sur les réseaux sociaux. The spirit passed. Et l'esprit est passé. When you look at my eyes, quand vous regardez mes yeux, that spirit will go. Cet esprit the same va eyes partir. That you use to see it, the same eyes that you will see, look at these eyes. Les mêmes yeux avec lesquels vous avez vu ces choses, c'est avec ces mêmes yeux que vous avez regardé les miens et cet esprit va s'en aller. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. I declare your freedom. Je déclare ta liberté. Jesus name. Au nom de Jésus. Be free. Sois libre. Lay your hand on your stomach. Imposez les mains sur votre stomach. Your stomach. Sur votre mouth. Mouth of Jesus Christ. Sors au nom de Jésus Christ. I crush it. What was deposited in you? Be crushed. Ce qui était déposé. Mouth of Jesus Christ. Sors au nom de Jésus Christ. Be crushed. Sois expulsé au nom de Jésus. There is an attack you received and this thing has gone down to destroy. Il y a une attaque que vous avez reçue. Concernant votre système, à ce moment, cela doit se détruire. No cease menstruation. Aucune arrêt de menstruation. The mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. No cease menstruation and no attack over your womb. Pas d'arrêt de menstruation et pas d'attaque sur votre ombre au nom de Jésus Christ. En ce jour, ce plan est annulé au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you. Thank you. Be careful, you should not go out of a man, out of a man's house. Faites attention afin de ne pas sortir du foyer. Be careful, you should not go out of a man's house. I see you end up lonely. Je vous vois finir seul. I
What is it? Let's see, Christ. Sir. She's actually my kid sister. Out of though the man is not really married to her, staying with him, I have kids. I'm not getting. You said? My junior sister. Yes. She's she was living with a man, they had kids already. So the man was preparing to come and see the family. But now she's no longer there. She said, oh. Homme de Dieu se majeure. Elle vivait avec un homme, ils n'étaient pas réellement mariés, ils ont eu des enfants, et lorsque l'homme s'est préparé à venir voir la famille, tout a été détruit. Do you know why you are no more in this man's house? The problem is not a man, it is an attack, it is a spirit. C'est une attaque, c'est un esprit. That passes through you, social media, the spirit passes through you to destroy your marriage. Cet esprit est passé au travers de vous, à travers les réseaux sociaux. This spirit is to fight you to divorce you from the man. Et cet esprit vous combat en fait pour vous divorcer de cet homme. C'est la raison pour laquelle vous allez finir seul et vous allez partir de ce foyer. Don't worry. As you are receiving your deliverance now, your marriage is restored. Comme vous recevez votre délivrance maintenant, votre mariage est restauré. Jesus name. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you. So it's over. Merci, c'est terminé. God have visited your family. In Jesus' name. Clap for Jesus Christ. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus.